Je pensais que tu dormirais au moins 2 jours après ce qui s'est passé hier. Amir m'a réveillé tôt ce matin et... nous sommes venus ensemble. Et il est où? Qu'il y avait quelque chose d'important à faire. Et comment tu te sens maintenant? La vérité, c'est... c'est que j'ai peur. J'ai peur de ce que... de ce que je peux faire quand... quand je suis ivre. Aujourd'hui, en me réveillant, je ne me rappelais pas de ce qui s'est passé hier et Amir... Amir m'a raconté... J'ai pas pu le croire. Nour, j'ai vraiment besoin d'aide. Et je ne pourrai jamais le faire tout seul. Malgré tout ce chaos et ces mots que j'ai dit, je t'admire toujours autant. Et ta présence est la seule chose qui me sécurise. Oh Fadi, moi aussi je t'aime mon frère et tu es très important pour moi. Dieu m'est toujours témoin. Je me moque de ce que tu me dis quand tu es en colère. Je ne crois pas à ce que tu dis. Je te soutiens. Et je suis avec toi. N'aie crainte et ne t'inquiète pas. Pardonne-moi, Nour. Pardon. J'ai été un vrai con. Que veux-tu boire ? Eh, monsieur Karam! Bravo pour la vente! Je voulais juste que tu saches que c'est moi qui ai envoyé l'homme qu'à qui t'as vendu la maison. Menteur! T'es en train de me dire ça rien que pour mériter. Comme je te l'ai dit, je ne laisserai jamais Zen rester avec qui que ce soit. La maison est à Sarah maintenant. Allez, fiche le camp! Menteur! Je ne veux pas être comme ça. C'est vraiment très dur. De se craindre soi-même. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je veux pas rester comme ça. Et tout ce temps, je me sens comme absent. Et je ne veux pas, si c'est comme cette impression... d'être un gros problème. Dans ta vie, celle des autres, et dans la mienne. Je ne veux plus... vivre comme ça. Ne t'en fais pas. Les mauvais jours sont... passés. Maintenant, les bons jours de ta vie vont venir, mon frère. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que... je ne peux plus vivre dans cette maison. Je voudrais tant... te laisser vivre en paix et partir. Mais je peux pas. J'arrive pas à concevoir tout ce qui se passe dans cette maison. De quoi est-ce que tu parles? Ni toi, ni personne ne va quitter cette maison. Non, jamais. Nous resterons comme nous sommes, la famille noire. Et les enfants que j'aurai, ils vont tous grandir avec toi et seront forts et gentils. Personne ne partira. Personne ne partira.
Jamais de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça que nous vivrons toujours, dans cette grande maison. Je suis vraiment contente maintenant. Eh bien, pourtant, ce matin, tu n'étais pas du tout contente, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais le présent est important. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait acheté cette maison. Je suis enfin en sécurité chez moi. Je suis vraiment contente pour toi, tu sais. Aussi, Massa et sa mère pourront vivre avec moi. Et je pourrai alors laisser Zahine avec elle quand je me rends au travail. Oh, merci, mon Dieu. Voyons ce que dit Tatas, alors. Il y a... trois marques qui sont très distinctes. Non, mais t'as pas honte? Aucun sentiment? Aucune décence non plus? Comment tu peux entrer comme ça? J'espère vivement que tu meurs et que t'ailles brûler en enfer. Je voudrais que tu meures dans les plus atroces souffrances que l'on puisse imaginer. Karam, ne dis pas ça! Tais-toi! T'es en train de me tourner en bourrique avec cet idiot d'Amir, dis-moi! Oui, mais tais-toi! Tais-toi! Prends-les! Prends-les, fichique-les! Amuse-toi bien avec lui! Et va au diable! Karam! Je veux juste savoir, pourquoi tu aimes ce genre de travail, ma chérie? Comment une princesse comme toi peut travailler dans cet endroit sale? Oh, allons bon, maman. Tu ne vas pas cesser de dire ces choses-là, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais où est Nour? Il est au bureau. Mais il n'a pas répondu à mes appels. Ça va, maman, il est occupé. Il est en réunion avec les ingénieurs pour les nouvelles machines. Dis-moi, que veux-tu de Nour? Je lui transmettrai. Est-ce que tu sais que ta folle de sœur Luna a épousé ce gars Maillard? Comment? Sans le dire à personne? Oui, elle est cinglée. Je veux que Nour parle à Maillard et récupère ma fille par n'importe quel moyen. Écoute-moi bien, maman. Ce n'est pas le bon moment de parler de cela à Nour. C'est vraiment malvenu. C'est bon, je vais voir ce que je peux faire, je vais lui parler. S'il te plaît, fais-le avant que les gars ne le sachent. Parce que si les gens de la bonne société venaient à le savoir, nous aurons de gros soucis et ce sera une disgrâce, une catastrophe pour nous. Écoute, maman, je t'ai dit que j'en parlerai à Nour et aussi à Luna. Maintenant, laisse-moi donc travailler. Bien, je vais attendre alors. Cette clinique n'est pas très loin. Le médecin a ton âge et tu peux lui parler à ton aise, Fadi. Je lui ai parlé et il a dit que... Eh, tu vas bien, hein, Fadi? Je voulais dire... Je pensais avoir été clair la dernière fois. Je ne veux plus que tu t'approches de nous, ma famille et moi, sous aucun prétexte. Tu m'as compris? Mais pourquoi est-ce que tu me parles de cette façon? Je venais juste te prendre de ses nouvelles. Quand tu es loin, il va bien. Alors s'il te plaît, éloigne-toi de nous. Viens, Fadi. Tu vois comme cet endroit est beau. Je me suis plusieurs fois assise ici. Jamais je m'ennuie ici. La mer a toujours partagé ma solitude. Elle m'a toujours empêchée de me noyer dans ses flots. Tu as pensé à faire cela? Je crois que personne ici n'a su s'empêcher de penser à cela, au moins une fois. Mes premières années ici ont été hyper difficiles. Si tu ne te sentais pas bien, pourquoi es-tu restée ici? Pourquoi n'es-tu jamais revenue? C'est une très longue histoire. Je te la raconterai un jour. Je veux que tu saches que je n'ai pas honte de toutes les choses que j'ai pu faire. Mais j'étais triste parce que... toi, tu n'étais pas là. Mais heureusement que tu es là, maintenant. Je suis contente d'être avec toi. Mais maman, tu n'as pas eu peur de venir ici vivre tout seul dans un endroit où... tu ne connaissais personne? Oui, bien sûr. Heureusement que les gens d'ici sont très gentils et très amicaux. Heureusement, il n'a pas été trop difficile de me faire des amis dans ce pays. C'est vrai. Tu sais quoi? Cela m'est arrivé aussi. Alors que je ne m'y attendais vraiment pas. Dieu merci. Je suis contente que nous ayons pu avoir cette occasion de... Tu as pu tout terminer? Oui, madame. Bien, écris toutes les méthodes dont tu t'es servi et dépose le dossier au bureau. S'il te plaît. D'accord. Votre bureau? Oui, merci. Oh. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux encore? Prends ton temps, profite de ce poste de la maison avant que tu ne doives partir. D'accord, Maria? Tu sais, Mira, moi je m'occupe bien de ce que j'ai maintenant.
Et toi, tu as perdu ton poste et ta maison, n'est-ce pas? Alors comment tu as pu le gérer? Tu ne veux pas savoir où était ton mari quand il est arrivé tard hier? Demande-lui et il te répondra comme d'habitude en te disant la vérité. Allez. S'il ne te répond pas sans te mentir, je serai heureuse pour toi, ma chérie. Je t'assure. Pour l'heure, tu peux continuer ton travail, ma jolie. Fadi. Je suis venu vous voir parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Pouvez-vous être plus clair? Je me suis fait du mal et... j'ai aussi blessé les gens, tout autour de moi. Pourquoi venir avec votre frère? Ça ne serait pas mieux pour vous de parler tout seul? Je suis... Pour tout vous avouer, docteur, nous sommes 5 frères, mais... nous ne sommes pas vraiment frères. Non, non. Nous sommes frères. Nous sommes tous adoptés, mais... on n'est pas des frères biologiques. Oui, mais... ce n'est pas pour cela qu'on est là. Non, c'est pour ça, Nour. Eh bien, nous sommes 5 frères et on doit... s'aider les uns les autres dans les moments difficiles. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, docteur. D'accord. Vous pouvez parler un peu plus de vous, Fadi. Est-ce que vous voulez qu'on se voit seul? Non, docteur, c'est bon, ça ira. Nour est au courant de tout. Il sait que ma famille m'avait abandonné petit au moment de la guerre civile. Il sait aussi que je bois beaucoup. Et que quand je bois, je perds tout contrôle que j'ai de moi-même. Allez, alors, je n'arrive plus à me contrôler et je blesse tout le monde. Est-ce que vous buvez beaucoup, généralement? Non. Je ne bois beaucoup que quand je suis en colère. Que s'est-il passé pour que vous veniez me voir? Son mariage. J'aime la femme que mon frère... Nour vient tout juste d'épouser. Tu n'es qu'une sale menteuse, Mira. Tu ne peux pas comprendre pourquoi nous nous sommes mariés. Tu veux seulement nuire à ma vie conjugale. Qui, moi? Je nuis à ta vie conjugale? Mais elle est déjà endommagée, chérie. Sache seulement que Nour t'a épousée parce qu'il t'a fait une promesse. Parce qu'il est un homme de parole. Un homme d'honneur. Ah! Et aussi, et à cause du bébé dans ton ventre. Tais-toi, Mira. Tu sais quoi? Tu devrais reprendre Fadi. Il t'aime de tout son cœur, Maria. Et il te veut vraiment. Mais tu as entendu ce que je t'ai dit ou pas? Compte pas dessus. D'accord? Et tu sais, tout ce que j'ai dit est totalement vrai. Si toi, tu peux accepter d'être la femme qui peut croire et accepter tous les mensonges de son mari, ben pas moi. Nour et moi, nous nous aimons. Et je ferai tout pour qu'on se remette ensemble. Tu as tout préparé? Oui, j'ai tout fini, mais je veux acheter des cadeaux. Pour Sarah et Karam aussi, pour le petit Zayn. Et pour ton père? Je ne sais pas pour lui. Pas grave, je peux acheter le cadeau, et tu pourras le lui donner. Bon, on l'achètera, mais je voudrais que tu m'accompagnes pour ça. Navré, je ne peux pas, je dois finir pas mal de travail avant ce voyage. T'es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Je veux dire, tu vas vraiment au bureau? Mais moi, j'aurais aimé faire un peu de shopping avec toi avant. Tu peux me dire si tu as jamais vu un gars qui aime faire du shopping? Peut-être que tu as envie d'aller à la galerie d'art? Et j'aurais peur de te le dire. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser ça? Mais non, mon chéri, ce n'était qu'une question, c'est tout. D'accord, dans ce cas, partons, chéri. Oui, partons. Partons. T'étais où? D'abord, comment ça va? J'étais avec Fadi chez un médecin, et par la grâce du Très-Haut, il va très bien. Tu sais quoi?
Mira m'a parlé. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette cinglée? Elle m'a dit que tu étais avec elle le jour où tu es arrivé en retard à mon rendez-vous chez le médecin. Quoi avec elle? S'il te plaît, ne plaisante pas avec moi, Noor. Et bien sûr, tu la crois. Honnêtement, je ne sais pas vraiment qui je dois croire ces temps-ci. Elle ne rate pas une occasion pour causer une dispute entre nous et toi, tu entres dans son jeu. Donc ce jour-là, tu ne l'avais pas vue? Oui, je l'ai vue, et on s'est disputé à propos de son travail. Menteur. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je te l'ai dit, nous sommes allés voir les machines, mais c'est vraiment tout. Écoute, Noor, dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre à dire du tout. Il n'y a plus rien entre cette femme et moi, plus rien du tout. Alors retire ça de ton esprit. Écoute-moi bien. Je le jure, Noor. Si j'apprends qu'il y a quelque chose entre vous deux, tu ne me reverras plus. Non, crois-moi, je savais quel est le traitement que tu infligeais à mon frère. Je te jure que je ne t'aurais pas aidé. En aucune façon. Tu me surprends. On veut qu'il nous donne des sous. Parce qu'il est de notre famille. Il doit se conduire comme un des nôtres. C'est tout ce que nous voulons obtenir de lui, d'accord? Ne te mets pas en colère. Eh oh, mais tu crois que je vais le faire, mon oncle? Écoute, je sais exactement ce que tu comptes faire avec lui. Ah oui, vraiment? Tu crois savoir ce que je veux faire? Alors dis-moi ce que je veux faire. Y a-t-il quelqu'un qui sait pour tout ça? Non, il n'y a personne à part moi. Alors écoute-moi. Le numéro de Madge est en ma possession, mais... Mais je ne vais le donner à personne si tu veux quelque chose. Tu n'as qu'à m'appeler. C'est compris? Ne crois pas que je vais m'arrêter à toi. Je pourrais le trouver où qu'il soit. Et je pourrais l'emmener dans un endroit où personne ne saurait où il est. Crois-moi, je suis capable de faire cela. Je n'ai plus envie de papoter avec toi, Shady. Et avant que je ne te raccroche au nez, je ferai mieux de raccrocher. Ne pense surtout pas que je vais arrêter de le chercher. Et ne pense pas que c'est toi qui pourras m'empêcher, pigé? Comment tu peux le dire à Maria? Tu ne vas pas arrêter cela. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu m'aies gâché la vie. Non, chérie, pas du tout. Mais c'est toi qui te gâches ta propre existence. Écoute. Va donc trouver Maria. Tu n'as qu'à lui dire que tout ce que tu as dit est faux. Mensonge, compris? Je ne le ferai pas. Mais jamais de la vie. Qui est-il, Noor? Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, mais pourquoi tu ne comprends pas? Je te l'ai dit. Mira! Non, Mira. Écoute-moi, s'il te plaît. Je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé entre nous deux. Je n'ai jamais eu ça et je ne l'aurai jamais. Mais... assez. J'en ai assez, maintenant. J'en ai assez. Comprends-moi, s'il te plaît. Je veux arrêter. Je veux être en paix. Je veux la paix dans ma vie. Comprends-moi. Fais-le pour moi, pour l'amour du ciel, Mira. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ou bien ce que Farid Noah aurait voulu? Je ne veux plus me rapprocher de toi. Éloigne-toi de moi. Noor. Je t'en prie, fais-le pour moi. Fais-le pour moi, s'il te plaît, Mira. Oublie-moi, s'il te plaît.
Isra. Tu vas bien? Contente de te voir. Ça se passe bien? Je suis très contente que tu sois venue. Merci. Bonsoir. Comment vas-tu, Ousra? Bienvenue. Dis-moi, chérie, veux-tu me dire quelque chose? Sortons, tu veux bien? Non, mon chéri, j'aimerais tant voir le vernissage. Tu peux m'attendre dehors si tu veux. Ou alors, tu peux rester pour l'admirer. Excuse-moi, je t'attends dehors. D'accord. Hein. Ça va, Yousra? Je vais bien, merci, et toi? Super, mais c'est trop beau, félicitations. Tu n'as pas encore tout vu. Vas-y, va voir. Je vais faire un tour et je reviens. Viens, je vais te montrer, hey, moi. Enlève tes sales pattes de moi. Viens. Arrête ça. Hé, hey, Annie. Arrête. Hé, hey, arrête. Arrête. Tu vas voir, lâche-moi. Arrête. Lâche-moi, voyons. Attends un peu, tu vas voir. Mais ne me touche pas. Tu te moques de moi, hein? Attends, tu vas voir. Tu verras. Attends, voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas me le payer très cher. Ah, lâche-moi. Bon, ça va, lâchez-moi! Arrête, Annie, tu es fou! Viens avec moi, que se passe-t-il? Viens avec moi, partons, tu veux, Annie? Annie, s'il te plaît, calme-toi. C'est Annie. Qu'est-ce qui se passe, Est-ce mon chéri? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais Annie, dis-moi, que s'est-il passé? Ce n'est rien, il ne s'est rien passé de grave. Je regrette de m'être emporté, c'est fini. Entrons. Vous êtes sûr que ce n'était pas grave? C'était rien. C'est fini. Oh, c'était rien. Alors venez dans ce cas. Calme-toi, chérie. C'est fini, d'accord? Que s'est-il passé, Annie? Dis-moi. Ce n'était rien. Bravo pour ta galerie. Merci beaucoup, mais tu n'as encore rien vu. Va donc faire un tour. Et je m'excuse pour ça. Allez, Massa, viens, on y va. Je viens. Bonsoir. Pourquoi t'es là toute seule? Je ne veux parler à personne. Est-ce que tu pleures? Pourquoi ça? Est-ce que ta voiture est tombée en panne? Ma voiture va très bien. S'il te plaît, laisse-moi seule. Tu m'entends? Ouais, je t'ai entendu. Mais je ne vais pas te laisser là toute seule. Viens avec moi, s'il te plaît. Allez. Comment puis-je venir avec toi si on ne se supporte pas? C'est vrai que tu m'es insupportable. Mais je ne peux pas te laisser toute seule ici à cette heure. Et en pleine rue en plus. Si ta voiture est en panne, j'enverrai quelqu'un la chercher. De toute manière... Je sais très bien qui te fait verser des larmes ainsi. Je sais aussi ce qu'il a fait. Mais ça ne vaut pas tes larmes, pas du tout. Allez, viens avec moi. Allez, viens.
Arrête-toi ici. Tu vis ici? Peur? C'est une bonne région, très bien habitée ce quartier. Merci pour ta gentillesse, Amir. Franchement, tu m'as beaucoup surpris. Je ne te savais pas si galant. Tu es un véritable gentleman. J'aurais pu beaucoup te surprendre, mais tu n'as pas vraiment pris le temps. Ni cherché à connaître l'homme que je suis réellement. Qu'importe, t'as mon numéro, alors tu peux m'appeler quand tu le voudras. D'accord. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Attends. Plus tard. D'accord. Je vous ai préparé du thé. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma fille, merci. J'ai enfin fini tous mes bagages, je suis prête. Je te jure, tu vas nous manquer ici. Tu me croiras si je te disais que tu vas vraiment manquer. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'espère que tu ne m'en veux pas. Ne dites pas ça, je ne suis pas fâchée contre vous, ma tante. Au contraire, j'étais vraiment contente d'avoir pu habiter avec vous ici. Merci, ma chère enfant. Mais dis-moi, es-tu toujours fâchée contre Annie? Annie, c'est autre chose. Merci, merci. Ma chérie, est-ce que tu peux me dire où est-ce que t'as mis ma chemise? Dans l'armoire. Elle est dans la penderie. Mais où est-ce que tu l'as mise? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça te dit de manger un peu? Si je t'ai emmené ici, c'est pour que tu t'amuses. Merci. Que tu puisses te détendre à Chouya. Et te reposer. Tu as l'air mieux que t'en avais l'air hier. Je me sens vraiment mieux que je ne me sentais hier, oui, ça c'est vrai. Merci, Amir. Mais je t'en prie. Mira, est-ce qu'on peut être franc l'un envers l'autre? Tu penses que l'on peut être franc ou c'est trop dur? Vas-y. Non, j'espère vraiment qu'on puisse être honnête. Je voulais savoir. Les larmes que tu versais hier... Elles étaient pour Nour?
Et qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Je ne veux rien savoir du tout. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles le mieux que tu peux, c'est tout. Je ne veux pas te rendre nerveuse. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais franchement, ta relation avec Noor est une relation qui est vraiment... bizarre et hors du commun. Est-ce que ton amour pour lui est vraiment réel ? Est-ce que tu l'aimes ? Aimes-tu vraiment Noor ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ma vie est un véritable désastre. Ta vie est un véritable désastre parce que t'as commis l'erreur de trop te rapprocher de Noor. C'est ce que tu crois. C'est sûr. C'est ce que je pense moi aussi. Oh non, je t'en prie. Non, Mira, s'il te plaît. Arrête. Arrête de pleurer, d'accord ? D'accord, c'est bon, d'accord. Personne ne voit tes larmes. On va s'amuser aujourd'hui, d'accord ? D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger ? Le repas est déjà prêt. Vous voulez manger maintenant ou attendre Annie ? Non, nous allons attendre Annie. Entre-temps, je vais aller faire un tour. Mais où, dis-moi ? Pas très loin, dans le quartier. Ne te perds pas. Non, je vais faire le pâté, d'accord ? D'accord. Je suis navré, tu es mon frère, mais tu connais la situation. Pardon. Si je suis ton frère, pourquoi es-tu triste ? Moi, je ne suis vraiment pas triste. Mais tu ne comprends pas ? Je te jure que je te comprends. Mais nous n'avons qu'une seule chambre, seule salle de bain, on ne peut pas. Tu as raison. Mais comment puis-je partir d'ici du jour au lendemain ? Je dois d'abord me trouver un autre logement. Je cherche une chambre depuis ton mariage. Je te le jure, Maillard, je n'ai malheureusement pas pu en trouver. Et qui est Luna ? Qui est donc Luna pour moi ? Ma sœur ? Peut-être plus encore. Je ne la froisserai pas jusqu'à ce que je m'en aille. Je sais bien que tu l'estimes comme ta sœur, mais c'est... Miro ! Qu'est-ce que je peux faire ? Je viens, chérie, je viens. Quoi ? Tu m'en veux encore ? Non, je ne t'en veux pas du tout. Pourquoi devrais-je t'en vouloir ? Est-ce que tu aurais fait une chose qu'il ne faut pas ? Écoute, ne lui en veux pas. Surtout après ce que Salama a fait. Il était simplement un peu trop tendu. En passant, je suis là pour te dire au revoir. Tu rentres à Abu Dhabi ? Oui, je vais rentrer. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai avec ma mère et Annie. Et si Dieu le veut, nous allons nous marier. Bien sûr, t'en fais pas. Vous allez vous marier. Je l'espère vraiment. Si jamais tu voyages jusqu'à Abu Dhabi, appelle-moi, d'accord ? Je te promets, je le ferai. Je l'espère. Je vais nous faire quelque chose à boire, d'accord ? Non, 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 je suis pressée. Il faut que j'y aille, on m'attend pour manger, d'accord ? Prends soin de toi. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment, Maillard, tu es incroyable. Tu as fini tout mon shampoing. C'est le seul que j'utilise avec mon après-shampoing spécifique. Mais lui aussi, tu l'as fini. Je fais comment ? Je sors. Mes excuses pour ça, mon frère. Comment ça t'as pu sortir de la douche comme ça ? Je t'ai dit que mes cheveux étaient mouillés, que j'avais besoin d'un shampoing. C'est urgent, alors va vite m'en chercher. Je fais comment sans shampoing ? Non mais t'as perdu la tête ou quoi ? Comment tu peux venir devant lui comme ça ? Écoute Maillard, je veux mon shampoing ou sinon... Sinon je vais perdre la tête. Je veux mon shampoing Maillard, s'il te plaît achète mon shampoing. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux mon shampoing ! Il y en a pas. Alors fais comme tu veux mais laisse-moi tranquille. Shampoing ? Shampoing ! Shampoing ! Monsieur Annie, vous devez signer ces papiers avant que les employés ne partent. Je sais que vous êtes occupé, mais il faut signer. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de tout cela ? Si vous voulez, vous pouvez appeler Monsieur Salama. Vaut mieux signer en toute connaissance.
Bien sûr, tu es justifié dans ce que tu dis. Je le sais, mais il faut que je te dise. Que les goûts de Nour sont vraiment les meilleurs, je pense. Et je veux dire, dans tous les domaines, Mira, y compris en matière de femmes. Je pense que nous avons les mêmes goûts, en cette manière. Non, vraiment, je le pense. Non, j'espère vraiment que t'as passé un bon moment et en ma compagnie aujourd'hui, c'est tout. C'était vraiment bien. Alors, oui. C'est à refaire, d'accord?